Bonjour à toutes et à tous, c'est Unicard. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez rapide. Donc voilà, je vous fais juste une petite vidéo pour vous dire que ces derniers jours je serai absent, car je dois remonter dans le nord. Donc j'ouvrirai peut-être ça en même temps sur la route. Donc voilà, les boosters comme ça. Ça dépend si on aura quelqu'un en covoiturage ou pas. Voilà, je tournerai peut-être pas la vidéo, voilà, si on a quelqu'un en covoiturage. Si on sera tout seul, voilà, j'ouvrirai ça en même temps sur la route. Je ferai des coupures de vidéos et j'ouvrirai ça en même temps. Je voulais également vous dire que la prochaine fois quand je pourrai rentrer, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Donc je vais essayer de un peu monter ça. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Voilà, c'est juste pour vous présenter ça rapide. Donc ça, on oublie. Donc comme j'ai dit, voilà, j'avais laissé un petit message sur la chaîne de David Lafarge. Comme vous pouvez le voir, ça c'est des vieux jeux. Et en fait je voudrais faire une présentation de vidéo là-dessus. J'avais promis à David Lafarge que je ferais une vidéo là-dessus. Parce que lui, il s'en souvient, je pense qu'on le voit bien. Voilà, donc pareil, là bon c'est juste la couleur qui est comme ça, mais tous mes jeux en fait sont neufs. C'est. Enfin neuf. Je me comprends, ça date, hein. Ça date de. J'aurais même pu vous dire la date, mais ça date. Donc voilà, c'est tous les jeux en fait de Nintendo 64. Ils étaient sous forme comme ça, pour ceux qui ont connu. Et donc j'ai plusieurs jeux dessus, voilà, je voudrais faire une vidéo là-dessus. Bon, par contre, je pourrais pas filmer mon écran directement, je ne sais pas comment on fait, si vous pouvez me renseigner. Donc, je ferai une petite vidéo là-dessus, voilà, j'avais un peu des jeux genre Tonic Trouble, ça j'aimais bien. Banjo & Kazooie, qu'on a beaucoup joué. Le Mario Party également. Donc voilà, si vous voulez des parties de jeu là-dessus, je vous en ferai. Ben, le Super Mario 64, beaucoup joué aussi. Après j'avais quoi, ouais, ça c'était un jeu de voiture, j'y jouais pas mal. Le Zelda où j'ai passé beaucoup de temps, le premier Zelda, Ocarina of Time. Il était terrible ce Zelda. Le Jim 3, ça c'était beaucoup mon père qui jouait. Moi aussi, mais c'était plus mon père. Pareil, ça c'était un de ses jeux à lui. Un jeu de voiture, là pareil. Là c'était pas mal aussi, j'ai beaucoup joué aussi, j'aimais beaucoup ce jeu. Du rallye, donc ça c'était plus lui aussi, ça aussi. Le F1 aussi. Et on finira avec le Mario Kart 64, donc ça qu'on a beaucoup joué en famille et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous voulez revoir un peu tous les premiers Mario Kart. Bon voilà, les graphismes ne seront pas comme maintenant, hein. C'est sûr que ça sera totalement différent. Voilà, c'est une des premières consoles, voilà, elle est toujours normalement neuve, voilà. Elle fonctionne très bien, donc j'espère que ça durera, parce que je compte bien la garder. Jamais je la vendrai, voilà, c'est pas la peine de me demander, jamais je la vendrai. Je la garderai toujours. Donc voilà. Donc on va se laisser pour cette partie de vidéo. Je vous retiendrai au courant. De toute façon, il n'y aura pas beaucoup d'activité, on va dire, sur la chaîne pendant que je serai dans le nord. Donc je vous. Comment dire? Dites-moi dans les commentaires si vous voulez, voilà, une vidéo là-dessus sur un des jeux. Si vous voulez voir un peu comment se présentait le Pokémon Stadium, voilà. Si vous voulez plusieurs épisodes, voilà, je serais vraiment content de faire ça. C'est vraiment des jeux que j'adorais. C'est. C'est mon enfance quoi, et puis franchement, pour moi c'est indétrônable quoi. Voilà, on peut pas le nier là-dessus. Pour moi, voilà, il y avait des beaux jeux à l'histoire, comme là, l'ancien Zelda, voilà, durait super longtemps. Enfin, c'est des jeux que je vendrai jamais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des épisodes là-dessus, si vous voulez que je vous présente un peu les jeux, ça me fera super plaisir. Et donc je disais, oui, il y aura peut-être pas beaucoup d'activités sur la chaîne vu que je dois partir dans le nord à ce moment-là. Donc je posterai sûrement déjà une vidéo en attendant. Et quelque part pour vous faire plaisir. Donc vous l'aurez peut-être déjà vu quand je tourne celle-là. Et je verrai sur la route si on a quelqu'un en covoiturage ou pas. Sinon en fait je ferai peut-être sûrement des coupures. Et je vous ouvrirai quelques boosters. Enfin si j'y arrive, hein, je vous promets rien. Sinon je vous montrerai la pioche ou quoi que ce soit. Ou j'oublierai complètement cette vidéo. Je vous posterai juste ce que je viens de tourner là. Et je verrai bien tout ça. Voilà, je fais un peu la wall again. Mais là, voilà, il y a vraiment quelques soucis. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et portez-vous bien. Bisous. Ouais, ça filme. Donc voilà, donc je mets la vidéo à la suite. Donc comme je vous ai dit, voilà, j'avais ce nombre de boosters à ouvrir. Donc voilà, 9 boosters origine antique que j'ouvrirai sur la route. Mais malheureusement, on va avoir quelqu'un en covoiturage comme je vous l'ai dit. Donc je vais pas pouvoir faire ma vidéo comme ça, voilà. Pas devant tout le monde. Donc on va juste ouvrir un booster en attendant, histoire de passer le temps et pour vous poster la vidéo pour que vous ayez quelque chose à regarder. On va s'ouvrir un booster ou pas. J'espère qu'il y aura bien assez de lumière. Que vous arriverez à voir. Et on va s'ouvrir le booster. Je vous remontrerai au pire les cartes, là je les étalerai. On va juste s'ouvrir un booster qu'on décèle.
Et le reste, j'ouvrirai sur la route. Donc, bah, je vous dirai la pioche dans les commentaires à la suite de la vidéo ou quoi que ce soit. Mais... voilà. Allez, on ouvre ça. Tac, tac. Allez, on fait vite. Hop. Donc, le petit code online que je vous balance. Voilà. Il ne sert à rien. Je pense que vous le voyez. Tac. On fait le 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Et on verra si on obtient une bonne carte. On est parti avec Gringolem. Je sais pas pourquoi je le sentais bien. Magikarp. Tarsal. Axoloto. Balbuto. Énergie spéciale Flash. Porygon 2. Curlia. On a lien spirituel Pharaon en reverse. Donc en peu commune reverse. Et je vous dis que si on a une ultra, je vous ferai un petit défi que je me ferai moi-même. On va voir ça et on finit avec Entei en rare. Bon, voilà. Une simple rare pour cette ouverture. On verra ce que j'aurai ben, dans la voiture. Donc voilà, je vous montre ça comme ça. Tac. Voilà, c'est un peu plus facile à voir. La rare, un Entei, donc un légendaire et lien spirituel par an. Un booster ou pas. J'en aurai encore 8 euros. Donc ben, je vous dis ben, à la prochaine quand je pourrai refaire des vidéos. Bisous.